It is my, it is both a great pleasure and a very moving moment for me to introduce this morning's first speaker, Professor Gisèle Bonnet from Paris 3 Sorbonne Nouvelle University, because she's an old friend of mine. She was my PhD supervisor, so that's an important time of in a professor's life, I suppose. And so, very briefly, because I could speak about her for the whole day, she's an emeritus professor at Paris Sorbonne Nouvelle University. She wrote a groundbreaking PhD thesis under the supervision of another great Anglicist, Professor Robert Elrod, on time and the tragic vision in Shakespeare and his contemporaries. She, for a number of years, she was co-editor-in-chief of the new Pléiade edition of Shakespeare's complete works between 2002 and 2016, and she's a frequent contributor to cultural radio programs in French national radio. She mostly focuses on European and English Baroque and is currently working on an anthology of European Baroque with the research center that she created in 1991 called Episteme at the Sorbonne University. She's also very interested in music and founded a few years ago a series of concerts called Concert en Sorbonne Nouvelle with a memorable production in 1989 of Dido and Aeneas at the Sorbonne. And very recently, last week, I think you were in Lille, she translated Dryden and Purcell's The Indian Queen, which was premiered at the Lille Opera very recently for Emmanuel Haim. Well, wonderful production. Wonderful production if you go to Lille. Wonderful production. Well, I could go on for hours, but maybe we should now turn to Webster and the Duchess and to Gisèle Bonnet. Thank you very much for being here, Gisèle. It's Thank an honor and much. Pleasure to have you. Well, Gisèle is going to speak in French, so if you have, if some of you don't speak French, we will try, you know, collectively to highlight the main points of her speech in English afterwards or in question time or something, okay? Thank you. Yes, I'm very sorry to address you in French. I should have done it in English. I didn't realize that we would have non-French speakers. Very sorry. Je vais rebondir effectivement sur les mots du philosophe, puisque, un peu à cause de mon titre, puisque je dis l'humour noir dans la Duchesse d'Amalfi, une nécessité épistémologique. Et l'épistémologie, c'est évidemment le domaine, un des domaines de la philosophie, c'est-à-dire ce rapport étroit entre la créativité sous toutes ses formes, et donc la créativité d'une part littéraire, là aussi sous toutes ses formes, et la créativité scientifique, celle de l'épistémé, comment se constitue une vision du monde, à partir de quoi et sur quoi elle se fonde. Alors je vous signale aussi, puisqu'on a entendu parler de Freud, etc., que ça aussi c'est dans l'air du temps, je me réjouis que Freud revienne dans le paysage, parce que c'est un outil heuristique, un outil de connaissance tout à fait... exceptionnel qui nous avait été donné, et il y a eu un reflux des études freudiennes relativement récemment, mais je pense qu'elles repartent. Et je voudrais signaler un livre très stimulant que je n'ai encore que commencé à pianoter, donc je ne m'en servirai pas essentiellement aujourd'hui, mais je pense que c'est très intéressant. C'est un livre de Éric Le Borgne qui vient d'être publié en 2018, j'allais dire 2018. Je n'ai pas un sens du temps très carré, moi, mais enfin. Le titre, c'est « Humour noir et lumière ». C'est-à-dire, c'est une étude sur le XVIIIe siècle, et je voudrais voir, effectivement, dans les lumières, s'il inclut les lumières de la science, c'est-à-dire les nouvelles lumières apportées par Newton à la fin de, ce grand pont de l'épistémologie baroque, c'est-à-dire ce qui est arrivé entre 1530, Copernic, qui écrit ses hypothèses sur le décentrement du monde en 1530, il ne les publie qu'en 1545, au moment où il va mourir, comme ça il n'est pas mort sur le bûcher, lui,
Mais il y en a d'autres qui mourront sur le bûcher, bien entendu, pour avoir dit la même chose. Et donc, il y a cette période d'une une épistémologie baroque qui commence, c'est-à-dire un décentrement, un moment où on perd le centre et on perd la clé des étoiles. Et donc, 1530, Copernic, et puis l'aboutissement de cette grande courbe de réflexion, de recherche, qui sera évidemment 1670 ou 77, enfin, aux environs de 1670, les Principia Mathematica de Newton, c'est-à-dire la nouvelle science, la nouvelle conception du monde, un monde qui est le monde moderne, grossièrement, pour aller vite, c'est-à-dire un monde qui est sorti de l'épistémé d'Aristote, qui avait donné le système de Ptolémée, c'est-à-dire qui avait donné une vision du monde clos, un monde dans lequel, puisque Aristote l'avait décrété, c'était vrai, la Terre était fixe, et autour de cette Terre fixe tournaient le Soleil, la Lune, etc. Et donc, c'était véritablement un système de monde clos autour de la Lune, les étoiles, et au-delà, une sorte de nirvana ou de firmament ou d'inaccessible ailleurs, que certains appelaient Dieu ou que d'autres appelaient effectivement pas encore l'univers. Je crois que Giordano Bruno, en 1585, est un des premiers à parler de l'univers, c'est-à-dire un univers presque déjà dans Giordano Bruno en expansion, comme le nôtre, comme le sera le nôtre. Et donc, c'est assez... je pose cette épistémologie de départ parce que effectivement, elle fonde toute une vision du monde. Ça n'est pas la même chose de vivre dans un monde clos dans lequel on connaît tout le nom des étoiles et dans lequel on a une sorte de sécurité, une sécurité angoissante. Ce monde clos peut toujours nous échapper. On est toujours entre la création et puis cette fin du monde, tantôt imminente, tantôt plus distante, mais en tout cas toujours menaçante. Il y a toujours des menaces de fin du monde tout au long de l'époque baroque. D'ailleurs, on a un nombre de représentations formidables de bâtiments qui se fragilisent. C'est quand même déjà l'esthétique des ruines, bien avant le XVIIIe siècle. Avec la fin du XVIIe siècle, on est dans l'esthétique des ruines, et d'ailleurs, dans la Duchesse d'Amalfi, on termine sur ces ruines qui, effectivement, « yield no echo », c'est-à-dire qui ne rendent absolument aucun sens à celui qui demande du sens. Donc, on est bien dans une esthétique incertaine, déjà, avec la Duchesse d'Amalfi, et on est véritablement dans cette épistémie d'un questionnement, et on est bien, effectivement, entre le monde clos que nous donne encore Ptolémée, le système de Ptolémée, qui n'a pas bougé, que Galilée commence à faire bouger, à ses dépens, puisqu'il va faire quelque chose comme 30 ans de prison, ou quelque chose d'équivalent, que Giordano Bruno, déjà en 1600, a esquissé, aussi, et on sait que Giordano Bruno brûle en place des fleurs à Rome pour avoir effectivement, ça n'est pas le motif officiel que donne l'Église, mais enfin, ou l'Inquisition plus exactement, cette main damnée de l'Église, mais Giordano Bruno meurt pour avoir dit que l'univers était infini, et que très probablement il y avait des mondes multiples. Il est le premier dans l'univers, l'infini et les mondes à suggérer qu'il y ait des mondes multiples, bien avant les Lumières et bien avant le XVIIIe siècle. On est donc dans un moment entre 1530 et 1670 où tout va bouger. C'est probablement un moment unique dont on ne se rend pas assez compte de l'importance, dont l'importance n'est pas assez soulignée parfois. Parce que c'est la première fois que l'humanité, probablement, est confrontée à un tel changement majeur, d'avoir à revoir la totalité de sa relation au monde et de sa relation aux étoiles. On a encore, par exemple, dans la Duchesse d'Amalfi, un horoscope. C'est-à-dire,
une certitude que quelque chose est écrit dans les étoiles, que ce monde enveloppé d'étoiles fait sens à cause de la position des étoiles. Mais en même temps, l'horoscope ne sert de rien, personne ne se servira plus des étoiles dans la Duchesse d'Amalfi, et en tout cas, à cette époque, c'est évidemment le moment où les étoiles s'ébranlent vers la modernité, notre modernité, et on s'étonnera moins que le centre de la pièce, cette espèce de moment pivot, pivot paradoxal, puisque c'est un moment immobile, et en même temps un moment autour duquel pivote tout le sens, « And yet the stars shine still », c'est-à-dire ce moment où la Duchesse d'Amalfi usurpe cette qualité du langage excessive, ce moment où le langage dépasse toutes les possibilités du langage, curse, et veut effectivement curse the stars. On a donc, à ce moment-là, on peut le prendre comme d'habitude, comme une image poétique, mais je pense que c'est un cœur épistémologique de la pièce et que quelque chose arrive dans la pièce sur cette modalité des étoiles. Et que peut-être, indirectement, ça a un sens avec le langage, curse, mais ça a aussi un sens avec cette notion d'humour noir, puisque l'humour noir, c'est tout de même une perversion du langage, une perversion de l'humour, une façon de faire coexister des visions extrêmes dans un moment verbal, une forme verbale. Alors, moi, je ne m'étendrai pas parce que je ne suis pas très bonne linguiste d'une façon générale. Je n'ai jamais fait de linguistique, de surcroît. Ça n'existait pas pour ma génération. Donc, je me suis prudemment tenue éloignée de ce langage ésotérique que je n'avais plus le temps d'assimiler parce que j'en avais d'autres. Et donc, je n'ai absolument pas touché à la linguistique et je suis totalement inapte dans l'analyse décortiquée des fonctionnements, des images, etc., avec le nouveau vocabulaire. Donc, je prends les images comme je sais les prendre, c'est-à-dire pour leur valeur épistémologique, d'abord, c'est-à-dire leur rapport avec les sciences. Et effectivement, « The stars shine still » m'a toujours beaucoup préoccupée dans ce cœur de tragédie. Mais l'humour noir m'a tout de suite sollicité, j'ai tout de suite rebondi sur cette notion même d'humour noir, parce qu'évidemment, dans la pièce, avec un personnage comme Bossola, on est à tout moment dans la menace d'une éclipse du langage fracassante qui nous viendrait par le langage de Bossola. Bossola, à tout moment, par le langage, grâce au langage, met en question un mode de communication. On l'entend dès le début, dès les premières... alors j'utilise ma vieille édition, mais bon, parce qu'elle m'est plus familière, elle est toute colorée, etc. Donc je suis plus à l'aise que dans les belles éditions anglaises, plus solennelles, plus sûres probablement que ce qu'on peut faire en France, parce que qui ose éditer en France, naturellement, le fait à ses dépens. Et... donc, dès les premiers grincements du texte, dès les premiers grincements dans la pièce, on entend, effectivement, on ne le connaît pas encore, on ne sait pas encore son nom, mais on entend celui qui est capable, effectivement, de jouer avec une notion dont on va peut-être avoir le temps de voir qu'elle n'est pas innocente, geometry. Et dès l'acte 1, scène 2, on entend Bossola jouer sur cette notion et nous montrer, en fait, un moment qui me semble, moi, un moment d'humour noir. L'humour noir étant une notion moderne, mais une pratique ancienne. Ancienne, sans doute, comme le langage et comme le monde. Cette coïncidence... dans un moment où il faut absolument déphaser le langage, je pense que l'humour noir a toujours existé, et donc on entend dans ce moment la récrimination de Bossola,
devant ces deux impies qu'il nous décrit, le cardinal et son frère le duc, qu'il voit comme des plant trees jumeaux dans le mal. Et dans ce moment-là, il nous dit une sorte de vision de l'homme qui nous est donnée. For a soldier that hazards his limbs in the battle, nothing but a kind of geometry is his last supportation. Donc on a déjà là cette vision d'un monde déchu et en même temps une inquiétude sur les mots pour le dire. Delio se pose la question. Alors je vous parle de la scène 1, scène 2, acte 1, scène 2, aux environs des lignes 65, etc. Et Delio s'inquiète de cet avatar du langage, geometry, et Bossola lui répond, explicite son image, un hétérang in a fair pair of slings, take his latter swing in the world upon an honorable pair of crutches from hospital to hospital. Et donc, on a une vision de l'absurde et en même temps une vision dégradée de l'héroïsme, puisque ce héros vient de loin, il vient de ces guerres héroïques qu'on a célébrées dans toute une littérature, et tout d'un coup, il n'est plus que a pair of slings, une géométrie improbable, une géométrie ridicule, un moment d'absurdité dans la vie de l'homme. On a bien là, je crois, un cas d'humour noir, c'est-à-dire de déstructuration de l'idéalisation humaine ou de l'idéalisation de soi qui nous est donnée. Et en plus, là, c'est l'humanité tout entière, en quelque sorte, qui devient ce personnage. Et effectivement, « To hang in a fair pair of slings, take his last swing in the world upon an honorable pair of crutches. » Cette vision de l'homme infirme, c'est véritablement cette vision de l'homme baroque, cet homme qui déjà comprend que dans son épistémé, quelque chose ne tourne plus rond, quelque chose n'est plus comme avant, et donc il va être hopping from hospital to hospital. On a donc déjà cette vision, je crois, cette vision noire, et elle est décodée, cette vision noire, qui nous permettra sans doute de décoder cette notion d'humour noir. Elle est décodée instantanément par la seule humeur claire de la pièce, la seule lucidité au sens de clarté de la pièce, qui est Antonio, qui lui est complètement à l'écart de toutes les formes de mélancolie. Il a des mélancolies occasionnelles, mais ça n'est pas... Et il nous donne le code, effectivement, de cette humeur que représente Bossola. He is, alors c'est le soldat déchu. I've heard he is very valiant. On avait cette idée, effectivement, d'un autre Bossola, et on la conserve tout au long de la pièce. On a une sorte de nostalgie d'un Bossola antérieur, celui qu'on n'a jamais connu. Et dans ce moment-là, Antonio décode le sens. This foul melancholy will poison all his goodness. Donc tout de suite, on a une des clés de la pièce, c'est-à-dire foul melancholy. C'est-à-dire doublement, on redouble avec foul, ce qui est déjà contenu dans melancholy, c'est-à-dire l'humeur noire. En anglais, évidemment, l'ambiguïté est totale entre black humor, l'humeur noire, et black humor, l'humour noir. Il n'y a pas de distance sémantique comme il y a, si petite qu'elle soit, en français, puisqu'on a le passage du masculin au féminin ou inversement du féminin au masculin. Et de plus, on a un codage qui nous est donné par Antonio, par Webster, par Antonio, c'est « It breeds all black malcontent ». C'est-à-dire qu'on nous donne le code du personnage que va représenter Bossola en scène, le malcontent. C'est-à-dire tout un héritage théâtral. On a déjà en scène des malcontents, dont le malcontent de Marston, 1600, qui a déjà 13 ans que se pavane sur les scènes anglaises des malcontents. Et donc ici, l'identification
est immédiate. Donc, dès le début de la pièce, il semble que Webster s'occupe de codifier celui qui va donner tous ces moments d'humour noir ou d'humour tout court, mais en général, c'est un humour très sombre, très... Alors, ça n'est pas l'humour noir tel qu'on pourrait le définir, c'est-à-dire l'utilisation du macabre, mais quelquefois on a l'utilisation du macabre, mais que les modernes donnent, parce que les modernes que nous sommes, nous avons complètement perdu ces connexions. Pour nous, l'humour noir, c'est occasionnel et on donnera un nom, l'humour noir d'un tel, un tel, ou André Breton, à la rigueur, le codifiant pour la France très tardivement au XXe siècle. Mais l'humour noir a évidemment un lien intime avec l'humeur noire mélancolique. Et toute la pièce en est codifiée, puisque tous les moments d'humour grinçant, on n'a pas autre chose que de l'humour grinçant, on n'a jamais envie de rire tout court dans la pièce, tous les moments d'humour grinçant sont des moments d'humour noir, que ce soit au moment de la maladie du duc avec la lycanthropie, effectivement, qui déphase le langage, qui déphase les rapports entre les personnages, et donc il y a un rapport intime entre cette mélancolie, ces malcontents, c'est-à-dire tout un héritage du XVIe siècle, et en même temps ce qui va être, ce qui est déjà, cette position par rapport aux étoiles, cette vision des étoiles, ce moment où on pourra dire « And yet, the stars shine so ». Parce que le moment où on aura cette stase soudaine sur les étoiles, quelque chose sera arrivé et qui sera arrivé par le langage. C'est vraiment une tragédie du langage. Tout arrive par le langage. Tout arrive par les manipulations du langage, ou les manipulations tout court, mais les manipulations du langage essentiellement, c'est-à-dire Bossola. Donc Bossola est le personnage central de tout cet humour noir et ce ton cinglant qui est le sien, ses premières répliques, effectivement, ces aphorismes qu'il nous sert toujours, comme s'il ne parlait jamais à la première personne, comme s'il ne s'impliquait pas dans la pièce, il est véritablement une sorte de voix chorique, comme un chœur à l'antique qui nous fait les commentaires sur ce monde noir et sur tous les personnages, puisque grâce à lui et à Antonio, on pénètre cet univers des grands mélancoliques, que ce soit le cardinal, présenté comme le melancholy churchman, ou que ce soit le duc, qui est évidemment l'autre grand mélancolique, celui qui sera mélancolique au point de subir l'humeur noire par excellence, la lycanthropie, c'est-à-dire l'homme loup pour l'homme, qui devient celui qui se sent homme loup. Donc on a là même une sorte d'humour grinçant, une sorte de tremplin d'humour qui participe aussi de l'humour noir. L'humour noir, c'est comme l'œuvre au noir. Il y a un excès, en quelque sorte, c'est l'excès même qui signale l'humour noir par rapport à l'humour tout court. Il y a donc chez Bossola une sorte d'excès dans l'expression, d'excès dans la vision du monde, d'excès dans la vision désespérée du monde, la vision négative du monde, qui est un codage de Webster dans sa pièce. Mais en même temps, on ne cesse de garder cet esprit du burlesque, qui est aussi l'esprit de Bossola, c'est-à-dire cette vision d'un monde mal formé, déformé, d'un monde de grimaçant, d'un monde de caricature. On est toujours un peu au bord de la caricature, même quand on est déjà un pied dans la mort. Vous vous souvenez, bien sûr, des circonstances et des échanges verbaux au moment de la mort de la duchesse, c'est-à-dire ce dialogue entre Bossola et la duchesse, qui, à tout moment, est un dialogue dans lequel Bossola
exacerbe cette vision d'un monde grotesque. Quand la duchesse lui dit « Who am I ?», il lui répond « Effectivement, alors là, laissez-moi trouver le texte de façon précise. Je suis en plein déménagement pour vous expliquer, et donc je n'ai pas trouvé l'imprimante au moment de partir, et donc je suis partie sans mon texte imprimé, ce qui est, alors j'ai repris les principaux moments vite au crayon avant de partir, n'ayant pas eu l'idée carrément d'envoyer mon texte pour l'imprimer à Bordeaux. C'est bon, j'ai pas toutes les idées bonnes au bon moment, c'est comme ça. Alors évidemment, j'ai pas tout mon matériel immédiat bien fluent dans le où on n'a plus qu'à lire. Et donc le moment auquel je voudrais faire référence, mais je vais peut-être y arriver quand même. Oui, c'est ça. Je suis vraiment désolée. Students, can you help? C'est ça, voilà. C'est 4-2, aux environs de 145, etc. Et quand la duchesse demande cri tragique par excellence, c'est-à-dire la crise d'identité qui saisit tous les héros tragiques, que ce soit dans toutes les langues, une tragédie amène à un moment donné le héros tragique à se poser la question « Who am I ?». Et donc, inévitablement, Webster, qui est le grand maître de la tragédie, bien plus encore que Shakespeare, mais bon, ça, il ne faut pas le dire, parce que comme il est moins joué et moins universellement utilisé, on ne s'aperçoit pas qu'il est entouré de théoriciens comme Webster. Et donc, à cette question sur la crise d'identité, qui est l'essence même de la crise tragique, Who am I? Bossola lui répond, Thou art a box of worm seed, at best but a salvatory of green memory. C'est-à-dire déjà une déchéance du féminin, bien entendu, et une déchéance du corps, déjà en quelque sorte décomposé en scène. Avant même la mort de la duchesse, elle est invitée par le regard, ce black humor, cette humeur noire qui est un humour noir de Bossola. Elle est déjà invitée à se voir elle-même dans sa décomposition physiologique en scène, ou plus métaphysiquement, a lark in a cage, such a soul in the body, c'est-à-dire ce soma sema des Grecs, de Platon, c'est-à-dire l'âme en prison, l'âme prisonnière qui, effectivement, trouvera une forme de liberté seulement dans la mort pour s'émanciper de cette pesanteur des corps, de cette pesanteur de l'existant. Et donc, l'humour noir de Bossola n'est pas un humour décoratif. Il n'est pas là seulement pour occuper la scène. Il est là, évidemment, on le voit, pour déchiffrer le dessous des cartes, pour déchiffrer le dessous du sens, le dessous du langage, et nous montrer effectivement une humanité qui s'en va d'hôpital en hôpital, une humanité déjà en plein délabrement, sauf qu'un couple échappe à ce délabrement, Antonio et la duchesse, mais par l'humour absolument destructeur de Bossola, ce contact avec la duchesse va ébranler la duchesse. Et je pense que de ce point de vue, l'humour noir de Bossola, face à l'humeur claire qui est celle de la duchesse, avec Antonio, elle est la seule à ne pas subir la mélancolie, elle est en pleine liberté, elle a choisi son destin, elle a choisi son mari, elle a choisi sa vie et ses enfants. Elle est donc une figure d'émancipation extraordinaire dans une pièce aussi sombre que La Duchesse d'Amalfi. Et elle est amenée dans cette scène
2 de l'acte 4 au contact de Bossola. Et ce contact avec Bossola n'est pas négligeable, parce qu'effectivement, l'humour noir, le langage de l'humour noir, va finalement affecter, en tout cas transformer probablement, la mort de la duchesse en quelque chose d'unique dans l'histoire de la tragédie, et en tout cas de la tragédie anglaise. La déconstruction que Bossola opère avec son humour noir, la déconstruction de toutes les consolations dans la mort, avec par exemple le chant funèbre de la mortification, c'est-à-dire tout l'héritage de tout l'héritage de la méditation baroque nous est donné dans cette scène qui va être la mort de la duchesse. C'est-à-dire qu'on a la mortification, on a bien entendu la mortification par la présence des fous, ceux qui sont censés délabrer le langage encore au-delà, délabrer toute conception de soi et du monde. Et au moment donc où on a la duchesse seule en scène avec Bossola, c'est ce moment final où la déstructuration du langage va s'opérer, et plus que la déstructuration du langage. Bossola donc la prive de toute image sur laquelle s'appuyer. Who am I? On l'a vu, thou art a box of worm seeds. Ou bien, am I not thy duchess? Question à la fois innocente et vaine. C'est une vanité baroque de plus, puisque c'est le grand moment des vanités baroques, ce moment de 1713 où Webster écrit, on a ces infinités de représentations de la vanité, ces femmes très belles se regardant au miroir, posant leur collier de perles près des miroirs, etc., pour découvrir dans le miroir, non pas leur visage, bien sûr, mais quelques reflets d'un crâne qui traînait aux alentours, comme dans les magnifiques vanités de la tour, par exemple. Et donc, ici, la duchesse, graduellement, dans ce moment, se construit comme une vanité baroque. Elle est amenée à plus de vanité, plus de conscience de sa vanité, au miroir noir du langage de Bossola. C'est, quand je dis miroir noir, ce n'est pas seulement une image, parce que c'était une grande... on fabriquait des miroirs noirs, effectivement, dans toute cette période des années 1610-1620, il y a un grand moment du miroir noir. Et je pense que ça aussi, c'est lié avec la mélancolie, l'humeur noire, le style de humour noir utilisé par Bossola, et le miroir qu'il tend avec l'humour noir est véritablement un miroir noir qu'il tend à la duchesse d'Amalfi. Il y a une peinture de vanité dans le premier 17e où effectivement une femme très saisie dans ce moment de réflexion, de vanité, ne voit dans le miroir qu'un carré noir. Elle ne voit même plus une chandelle, elle ne voit même plus le reflet d'un crâne qui serait encore une histoire de l'humanité, qui serait encore une histoire à soi qu'on peut s'incorporer, une méditation à soi qu'on peut s'incorporer, mais il n'y a plus qu'un cadre noir. Alors excusez-moi de ne pas savoir tout d'un coup le nom du peintre, je ne suis pas mes notes, c'est un Hollandais, un peintre hollandais, et il n'y a que ce miroir noir. Et je pense que l'humour noir de Bossola, dans ce moment de la mort, enfin qui prépare la mort de la duchesse, fonctionne comme un miroir noir dans ce moment. Et effectivement, quand elle lui dit « Am I not thy duchess ?», il répond « Thou art some great woman ». Et il part dans la méditation sur la grandeur des grandes ce monde. Madame Sommer, Madame est morte.
que continuera Bossuet, bien entendu, c'est-à-dire cette vision des grands de ce monde dans la mort. Il y a une représentation d'Isabelle de Castille dans son cercueil, déjà en décomposition, au nombre de ces vanités baroques si célèbres du début, milieu du XVIIe siècle, où là aussi le corps en décomposition est un objet de fascination et un objet de méditation. Et ici, effectivement, on a cette méditation sur la grandeur qui doit connaître sa déchéance avant la mort. Et ces Bossola, avec cet humour noir, cette façon de rapprocher les mots qu'il a et les contrastes des mots, quand il dit « Thou art some great woman, sure, for riot begins to sit in thy forehead, clad in grey hairs, 20 years sooner than on a merry milkmaid. » Donc on a là cette façon d'accuser la grandeur, effectivement, de martyriser en quelque sorte la grandeur à titre exemplaire, voilà l'exemple qu'il faut montrer au monde, la déchéance des grands. Alors ça, c'est le principe de la roue de la fortune que vous connaissez, cette roue de la fortune dans laquelle on voit les rois au sommet, puis les rois qui tombent, ou les grands de ce monde, les grands évêques, les papes, etc. C'est-à-dire cette vision, en quelque sorte jouissive, qu'il y a à cette époque à faire tomber les grands, et qui fait partie de la méditation, et qui fait partie de la méditation des grands de ce monde. Et la duchesse s'obstine, parce qu'au fond, on s'en rend compte dans la pièce, elle n'a pas de prénom, elle est seule, unique, dans la pièce qui n'a pas de prénom, elle n'a qu'un titre, et ce titre, elle le fait valoir, elle s'y cramponne, c'est le moment où elle le fait valoir, « I'm Duchess of Malfi still ». Et là encore, l'humour noir reprend, le miroir noir ou l'humour noir de Bossola, on ne sait pas quel est le versant de son langage, et il répond « That makes thy sleep so broken ». Et donc, il y a implicitement une accusation, une mise en accusation de tout ce à quoi la duchesse se cramponne encore dans la mort, tente de se réinvestir dans la mort. Elle a déjà été désinvestie de tout ce qui était ses titres par ses frères. Elle est duchesse en fuite. Elle est duchesse en fuite, oui, à ce moment. Donc elle a été... elle n'a plus d'identité véritable. Donc, dans ce moment... Elle tente de réaffirmer son identité dans un moment de confiance et Bossola, effectivement, qui n'est plus, lui, dans son identité première et qui peut tromper la duchesse, la prépare de nouveau à la mort. Il est là à la fois comme une figure presque, de memento mori. Il brandit le memento mori, qui est un exercice extraordinaire de méditation à l'époque élisabéthaine, mais aussi jacobéenne. Moi, je joins les deux dans l'expression baroque, mais effectivement, les Anglais ne sont pas tous d'accord, parce que pour eux, le baroque, c'est effectivement surtout le jésuite romain tardif, et ils n'aiment pas être assimilés au jésuite romain tardif. On ne peut pas dire c'est très difficile d'expliciter cette période par le baroque, mais le baroque est européen. On peut aller jusqu'au fin fond de la Pologne, on trouve une poétique baroque, et on s'en va jusqu'au fin fond de la Finlande et on trouve une expression du baroque. On est en train en ce moment de finaliser une anthologie du baroque européen dont on espère qu'elle va sortir bientôt chez Champion, mais enfin, c'est moi qui ai tout retardé, mais bon, je pense qu'on va reprendre. Et effectivement, on a trouvé la même expression baroque, les mêmes images baroques, le même humour noir, les mêmes miroirs noirs, absolument dans la totalité de l'Europe, et bien entendu, essentiellement, quintessentiellement, on devrait dire, dans la tragédie anglaise, qui est le plus beau miroir du baroque européen pour cette période. Et donc, ce moment de la mort coïncide avec ce qui est un grand style
de méditation, qui est effectivement la méditation sur la vanité, la méditation sur la mort, vanité des vanités, tout est vanité, au point que tout deviendra vanité, y compris, on vient d'en parler, ces vanités baroques, ces peintures baroques, et on a donc une sorte de mise en situation de la duchesse dans ce moment, confrontée à la fois au rien, confrontée à ce qu'est l'objet de la méditation, réduire l'homme à rien, et effectivement, avec une sorte d'obéissance extraordinaire, elle est la seule de la pièce à ne pas se rebeller, se révolter, elle est la seule à accepter, elle accepte jusqu'au bout, une fois effectivement sa propre tragédie terminée, c'est-à-dire la tragédie de voir Antonio et ses enfants morts. Ils ne le sont pas, mais on exhibe à ses yeux une sorte, là aussi, avec humour noir, une sorte de caricature du vivant, et même pire, une caricature de la mort, c'est-à-dire Antonio et les enfants pendus. Et donc, on a véritablement une radicalisation. Est-ce que Webster se moque dans ces moments-là de cette pratique baroque ? On ne sait jamais avec Webster. Il a une capacité de mise à distance des images et de mise à distance avec ses tragédies de tout ce qui fait la piété du siècle. Il y a une capacité d'ironie dont on peut se demander si ça n'est pas lui. L'humour noir principal, évidemment, qui serait la clé de la pièce. Personne n'a écrit des tragédies aussi noires que Le Démon Blanc, mal nommé, et La Duchesse Amalfi. Donc, on a là un rapport avec le noircissement de la vision tragique. On n'a pas d'équivalent dans Shakespeare. Même Othello, tragédie du noir et du blanc, ne rejoint absolument pas ce noircissement radical du sort qui est fait à l'homme et surtout du sort qui est fait à la femme. Ce qui est intéressant dans la façon dont Webster pratique, c'est la façon dont il déconstruit méditation radicale, et la duchesse est prête à mourir avec une humilité qu'on ne verra chez aucun des personnages. Elle est devant la mort avec une sérénité que ne connaîtront pas les autres devant la mort. Et elle va tout simplement s'agenouiller même, puisque les grands de ce monde ne peuvent entrer debout dans la mort. Ils doivent eux-mêmes s'humilier dans ce moment, et donc elle s'agenouille pour être plus à la hauteur de ceux qui vont l'étrangler, sans doute, mais aussi cette image d'humiliation dernière qu'elle accepte, c'est-à-dire qu'elle est une figure qui est sans rébellion. Elle est sans rébellion. Sa seule rébellion, c'était la rébellion de l'amour, pour l'amour et pour le vivant, qui avait fait d'elle celle qui cherchait ce chemin étrange dans lequel elle allait s'égarer. Mais, en fait, c'est la plus docile. Mais dans sa docilité, elle utilise, et Webster, sans doute, ne le fait pas innocemment, elle reprend la figure de géométrie qui avait été utilisée comme vision de l'homme, vision dégradée de l'homme au début de la pièce par l'humour noir de Bossola, et Webster lui donne à réutiliser cette figure géométrique qui va nous inquiéter d'ailleurs. Pourquoi géométrique? Pourquoi une géométrie? Je vous rappelle que dans cette géométrie, Bossola était vu par le duc, je crois le duc ou le cardinal, comme une figure oblique. L'oblique, c'est la transgression absolue de la géométrie. C'est-à-dire, c'est
le doigt diabolique dans la géométrie qui crée l'oblique. C'est ce qui n'est pas orthogonal, c'est ce qui n'est pas sécurisant comme l'orthogonal, ce qui est déjà le penché, le penchant, le mauvais penchant, bien sûr. Et donc on a eu des visions de géométrie menaçante, géométrie de cet homme claudiquant dans sa vie, symbolique de ce que nous sommes, pauvre martyr de la vie ou éclopé de l'existence, vision du monde de Webster. Et ici, on a une reprise tout à fait étonnante. Je parle évidemment de ce moment central dans la scène 4, dans l'acte 4, scène 2, où la duchesse, aux environs de 250, si vous vous repérez dans les vers, Bossola tente un dernier effort pour la terrifier, c'est-à-dire l'amener enfin à ce à quoi la méditation doit contraindre, la terreur devant la mort, et il lui dit « This code should terrify you », il a amené en scène ses meurtriers, et la duchesse lui répond « Not a whit. What would it pleasure me to have my throat cut with diamonds, or to be smothered with cassia, or to be shot to death with pearls ?» Et là, on se rend compte qu'il y a une dérision, justement, de ces grandes vanités baroques, de ces peintures baroques, dans lesquelles il y avait des diamants, des perles, de la beauté, à côté de la beauté féminine. Cette façon de placer la beauté du monde face à l'horreur de la mort. Ici, c'est l'indifférence. Je pense que là, on a le véritable humour noir de la pièce. C'est ce moment, véritablement, où le langage déconstruit toute possibilité de terreur, de peur, de noirceur. Et on a donc cette duchesse qui revendique la mort comme la chose la plus naturelle du monde. « I know death has 10,000 several doors for men to take their exits. » Donc ici aussi, déconstruction de cet instant dernier qui devient instant multiple, la mort aux 10 000 portes, c'est une image absolument étonnante, tout d'un coup, de pluralisation de la mort. And 'tis found they go on such strange geometrical hinges, you may open them both ways, any way for heaven. Et donc là, on a une de ces clés du langage qui nous est donnée, c'est-à-dire cette géométrie qui était déconstruction pour le maître du langage noir au début, déconstruction de l'homme debout qui n'était plus que l'homme éclopé, incapable de marcher droit. Et ici, on a une nouvelle géométrie qui d'ailleurs est un écho indirect de cette géométrie déjà mise en question par Hamlet, cherchant les gonds du monde. Time is out of joint, le temps est hors de ses gonds. Et ici, non seulement le temps est hors de ses gonds, mais les gonds eux-mêmes n'ont plus de sens, au sens de plus de direction. Ils vont dans les deux sens. Et anyway, c'est-à-dire un sens indifférent. On est donc arrivé à un moment d'une sorte d'aporie du langage, d'aporie des images. On a des images, un langage, mais qui nous disent rien sur rien. Et en tout cas, rien sur la mort, rien sur le tragique, rien sur cette géométrie du monde. Pour, au contraire, faire de la mort ce grand accueil où elle rejoint ces grandes héroïnes comme la Cléopâtre de Shakespeare, c'est-à-dire ce moment où on va vers la mort comme vers un renouvellement de l'amour et de l'amour humain. Donc on voit dans ce moment comment l'humour noir de Bossola, qui a déconstruit une vision du monde,
qui a déconstruit une vision de l'homme, qui nous a donné un monde déclopé, se reconstruit paradoxalement avec une nouvelle déconstruction d'image. Mais nouvelle déconstruction d'image, cette fois vers une sorte de purification radicale de tous les sens possibles, et même on écarte toute méditation. La duchesse Amalfi s'en va dans l'autre monde sans méditation. Elle y va purifiée, en quelque sorte, par la seule douleur de ce qu'elle vient de subir, la mort des enfants, la mort d'Antonio, ou ce qu'elle croit être la mort des enfants, la mort d'Antonio. Et dans ce moment-là, effectivement, il ne reste plus qu'une duchesse d'Amalfi seule en scène, seule avec le langage, et qui n'a plus de communication avec, avec l'être, qui n'a plus de communication avec les autres, qui est dans un de ces moments absolument sublimes où elle peut elle-même s'agenouiller, programmer sa propre mort. C'est elle qui s'avance vers ses bourreaux, c'est elle qui choisit sa mort comme elle a choisi sa vie, qui s'agenouille et qui subit sa mort. Et on a, en quelque sorte, la déconstruction du tragique. C'est-à-dire, on n'a plus de contrainte des étoiles, the stars shine still. On n'a plus de contrainte d'une vision du monde, on n'a plus de programmation d'un moment de la mort, on a un choix banal. Rien n'est plus banal dans la mort de la duchesse que de pouvoir écarter et les diamants et les perles, un moment d'une banalité extrême, c'est-à-dire qu'on entre dans un nouveau moment de la modernité. Je l'ai déjà utilisé dans un autre article, mais on entre évidemment dans ce que au XVIIIe siècle on définira comme le sublime, c'est-à-dire ce qui échappe à la description, ce qui échappe, ce qui est une aporie absolue, c'est-à-dire il n'y a plus les mots pour le dire, et on est effectivement dans une sorte d'au-delà des mots. Donc il me semble que dans la duchesse d'Amalfi, l'humour noir nous sert du début à la fin à libérer une sorte de langage définitif qui sera le langage de la modernité. Un langage qui ne sera plus codé par l'Église, qui ne sera plus, enfin ça prendra quelque temps avant d'y arriver, qui ne sera plus codifié par des méditations déjà toutes prêtes, mais un langage véritablement libéré, une mort libérée en quelque sorte de tout ce qui a été la contrainte des formes les plus archaïques de la méditation. Et il me semble qu'on a ce génie de Webster d'avoir posé ces grands miroirs noirs, miroirs de l'humeur noire, la mélancolie, miroir de l'humour noir de Bossola, cette déconstruction systématique de toutes les formes de description, de toutes les formes du langage, pour libérer ce moment extraordinaire, unique dans l'histoire de la tragédie anglaise, qui est la mort sublime de la duchesse d'Amalfi, qui est au-delà des mots, qui est au-delà des valeurs, qui est au-delà du descriptif, au-delà de ce qu'on peut en saisir, un moment d'une beauté tellement extrême qu'il n'y a que la notion de sublime qui puisse en rendre compte. Voilà. Alors, il manque les mécanismes de l'humour noir, mais on va sûrement nous les donner. Well, Gisèle, for someone who forgot her notes, I think you did pretty well. Which is, of course, a huge understatement for such a wonderful talk. Thank you very much. Should I perhaps give a very quick summary in English for our non-French speakers? Yes, thank you. I try to be as concise as possible. And then, in the meantime, you can prepare your questions. So, this is just a running sort of a translation. Gisèle started by stressing the importance of epistemology in her talk, which is part of the title, as you know, and stressed the important discoveries, scientific discoveries of the period.
I'm sorry, yes. Je voudrais, avant de l'avoir oublié, excusez-moi d'être si décomposée moi-même, mais bon, ça c'est le grand âge. Effectivement, je vous ai cité, pour commencer, ce texte qui vient d'être publié sur le rapport entre l'humour noir et les Lumières. Alors là, on a évidemment une vision oxymore de ce qu'est l'humour noir et le siècle des Lumières, qui est le siècle probablement le plus noir qu'on puisse imaginer, où naît le roman noir d'ailleurs, c'est là que naît le roman noir avec les romans... oui, le roman noir, bon, pour aller vite. Et dans son étude, justement, il y a une réhabilitation de Freud et une réhabilitation des rapports de la littérature avec l'inconscient. Alors, de l'humour avec l'inconscient, bien sûr, Antoine l'a rappelé, ou on l'a rappelé tout à l'heure, mais aussi de toute la littérature avec l'inconscient. Et moi, je voudrais rajouter ce qui est cette triangulation, c'est-à-dire les rapports avec l'inconscient, l'infiniment intime, mais aussi avec l'hyperconscient, c'est-à-dire cette conscience que nous avons tous d'un trajet collectif qui est notre épistémé, c'est-à-dire notre trajet épistémologique, puisque nous sommes quand même sous les mêmes étoiles collectivement, et que le destin des étoiles, tel qu'il va se dessiner entre 1530 et 1670, comme je l'ai suggéré au début, est un destin collectif. C'est-à-dire qu'il faut que toute l'humanité mute, arrive à muter d'un monde clos vers un univers infini. C'est-à-dire de l'extrême archaïsme des idées vers des idées insaisissables. Qui a jamais complètement saisi ce que voulait dire Einstein, des nouveaux développements de notre univers en extension. C'est-à-dire qu'on est entièrement sous le regard des étoiles. Et c'est, on ne peut pas l'oublier, on ne peut pas. Et cette immense mutation, fatalement, a impliqué les inconscients de nos ancêtres et impliquer cette forme consciente de crise, gigantesque époque de crise, qui est la mutation, et effectivement, la réponse est une réponse esthétique, et la réponse esthétique, c'est effectivement le baroque, c'est-à-dire ce qui peut à la fois conjuguer le blanc et le noir dans un moment où il faut les saisir ensemble, non pas comme des oppositions, mais ensemble, comme Desdemone et Othello vont être saisis ensemble dans cette tragédie, ils ne seront pas véritablement dissociables. Et donc, cette importance de restaurer l'histoire des sciences dans l'histoire de la littérature, ou d'incorporer l'histoire de la littérature à l'histoire des sciences, c'est indissociable, et en même temps, indissociable, l'histoire de nos inconscients, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous fait écrire, qu'est-ce qui nous fait trouver les images, qu'est-ce qui nous fait effectivement créer une pièce tout entière d'humour noir et en même temps d'un humour noir qui clarifie toutes ces épaisseurs de tous ces dépôts des âges qui s'était fait sur les inconscients, l'inconscient collectif. Moi, j'aime beaucoup parler d'inconscient collectif. Je crois que c'est une hérésie de parler de ça, mais bon, je trouve qu'il y a un inconscient collectif, certainement. Moi, j'en suis beaucoup servi dans ma thèse. Cette notion même que nous sommes tous impliqués dans une même décomposition, quand même, dans cette époque-là. Nous connaissons la même chose. Puisque nous sommes devant un grand inconnu, que nous passons notre temps à nous confronter à des inconnus ou à les créer, parce qu'on est en train de créer l'inconnu de la créature qui va être issue de nos manipulations de Brave New World à la Huxley actuellement. Donc on est quand même aussi au bord d'un grand moment de crise épistémologique et les réponses sont
probablement littéraires, créatrices, etc. On ne les voit pas complètement se dessiner, mais elles sont sûrement là, comme la duchesse d'Amalfi ne racontait pas que le destin de la duchesse d'Amalfi dans une simple histoire empruntée à une chronique italienne. Elle avait autre chose, sans doute, de plus à nous dire. Pardon d'avoir interrompu, oui, voilà. That sort of latest addition was just a further illustration of the importance of science within the study of our literature. And she started by situating the play within this roughly 1530 to 1670 period, during which the world undergoes drastic changes in the field of sciences. With major figures such as Copernic, of course, but Galileo and Giordano Bruno, who introduces the notion of a moving universe, an infinite universe, as opposed to the finite, closed world of previous theories, and with notions of the end of the world being very pregnant in the artistic creations of the period, and the introduction of the aesthetics of ruins as well early as the late 17th century, ruins which yield no echo, to quote a line from the play. So there's the appearance at the time of the play of an uncertain sort of aestheticism, with the notion of uncertainty being very important. And what else? That's when Giselle mentioned the horoscope, which is mentioned in the Duchess. In a paradoxically pivotal scene, and when we hear that, yet the stars shine still, and that famous line where the stars are cursed, which Giselle called the epistemological heart of the play. Then she started talking of the figure of Bossola, of course, was central in the study of black humor in the Duchess. And Bossola, who is a very interesting character, always threatening to bring in a destroying or a force of destruction through language, and uses this very interesting notion of geometry with the image of the lame soldier on crutches, which very aptly Giselle reintroduced at the very end of her talk when it is used in a different form by the Duchess before dying. And so Bossola, when using this image of the lame soldier, plays with the notion of geometry and how would you translate déphasage du langage? That was an interesting notion that Giselle used, but I can't think of the language finds itself out of phase. Out of step? Yeah. Thank you, Trevor. Yes. The language is out of phase, out of step, etc., whenever Bossola speaks. And what we have here at play is the destructuration or destructuring of an ideal image of man or of the soldier through this very baroque image of the lame, wounded man, disjointed man, hopping from hospital to hospital. Quand Ophélie se rend compte de l'état d'Hamlet, quand il revient en scène égaré, etc., elle rappelle qu'il était a soldier, a scholar, a lover. C'est-à-dire les trois clés de la perfection humaine pour cette société, enfin. Okay. Pardon de... No, it's all right. where was I? Black humor. Bossola is at the same time a figure of the malcontent, which is very sort of frequently used in drama of the period, part of the artistic heritage of the Elizabethan and Jacobean drama since Marston. And then Giselle sort of listed the usual admitted characteristics of black humor, and it's linked to the macabre and to the black humor, which in English happens to be the same word as black humor in the sense of comic, for which in French we have two different words,
the English have the advantage or added difficulty of having one single word for those two notions, which obviously are linked intimately. I'm not sort of selecting the information based on its interest. It was all fascinating, but I'm trying to be sort of as clear as possible. Make it intelligible. Yes, well, it was very intelligible, but translating it is not that easy. Something which I found fascinating was the fact that Bossola, in his deconstruction or his deconstructive approach of language or manipulation of language, uses a lot of aphorisms. Does he use asides as well, by the way? Aphorisms? Aphorisms and asides. Does he speak in asides? Yes, well, he's a he comments the He comments, yeah, just yes. Like the Flores in the Changeling. He's aloof. Okay, yes. It's as if Bossola was never speaking in his own voice. He's always commenting. He acts like a sort of antique choir. Well, when he speaks in his own voice at the end, that is after the death of Duchess, he speaks in his own voice, but he is no longer the Bossola of the beginning. I mean, he has lost his black humor, he has lost his voice. Yes. He's only an ordinary actor who tries to, and who's mystified, like the others. Another characteristic of black humor is excess, and Bossola is excessive in his expression in lots of instances, in its world vision as well. Another element is the grotesque, and we are often in the world of caricature or excess again with Bossola. Then Gisèle focused on the exchanges between Bossola and the Duchess at the moment of her death, which again conjures up the image of a grotesque world, and that's when Gisèle made an aside which may sound a little controversial, claiming that Webster is a great master of tragedy, far superior to Shakespeare, which would perhaps shock some of our English ears here. But then Gisèle quoted these very famous and beautiful passages from this exchange before the death of the Duchess, when she asked who she is, raising the point of the crisis of identity, which is at the heart of tragedy. Thou art a box of worm seeds, on which Poe expresses the decaying of the feminine body, the decaying of the body in general, and the very black or blackly humorous notion of decomposition, the physiological destruction, but also with a metaphysical aspect in the image of the lark in a cage, which brings us back to the Platonian soma-sema opposition with the image of a soul, encaged soul, which frees itself by relinquishing the body when he dies. Then we heard that the black humor used by Bossola is not only a gimmick or a trick used by Webster, but it's also the way to decipher the deeper meaning of the play and of what is at stake in the play. Again, expressing the complete sort of overhaul, the complete the major changes going on in the world at the time and in the characters' lives in the play, with the exception of the white or clear, Gisèle used the word clear humor as opposed to black humor to describe the very different situation of Antonio, the Antonio Duchess couple, who is apparently in a different on a different plane and untouched by the blackness of Bossola. But they die of it. But sorry, they. They are untouched, but they die. Yes, yes. They are touched because Bossola, I mean, contaminates the clarity of their world. In Act 4, Scene 2, the contact between Bossola and the Duchess, in what you call the
deconstruction of the Baroque modification, with the introduction of the, with the appearance of the madmen, and who are ultimate deconstructors of the language, again, in very, very much in keeping with what was heard before. Am I not your Duchess? When the Duchess asks Bossola, am I not your Duchess? She brings us the image of the Baroque vanity, and Giselle mentioned the famous Latour paintings with the these beautiful women and their mirrors and jewels, etc. She sort of builds, the Duchess builds, or again conjures up the image of a Baroque vanity, but facing, in this case, the black mirror held up by Bossola. And black mirrors, by the way, which were actual artifacts in the early 17th century. They were apparently fashionable. And Giselle mentioned a Dutch painting in which, instead of the usual reflection of a pearl or a precious object, you just see a black square in the mirror, which is quite, you don't even see the skull, which is the, again, traditional object in such vanities. She also mentioned another image which we can think of when reading that scene, the painting of the queen, the Spanish queen, Isabel de Castille, in her coffin with a partly decomposing body, which was meant to be an object of meditation, reflecting on the fact that grandeur has to undergo decay before death. Giselle mentioned the fact that the Duchess doesn't have a name, only the title. I'm Duchess of Malfestil, that's her identity. Quoting that line as an example that black humor is still at work, and in this passage where she sticks to that title, even though she, at the time, is no longer officially a Duchess. She has been, you know, destituted by her brothers. Bossola so acts both as a sort of classic figure of a memento mori, but also as a very Baroque figure, even though the English, as Giselle reminded us, don't like the association with the word Baroque, because to them it has mostly to do with the Roman Jesuit aesthetics and philosophy. So they obviously, for obvious reason, don't like to be compared to Roman Jesuits, as Middleton reminded us in Agamemnon Chess. And yet, according to Giselle, English tragedy of the period is quintessentially Baroque in many regards. The death of the Duchess proper is a great moment of meditation where she is beautifully painted as resisting, as accepting her fate without rebelling against anything, even though she's just suffered from the very black moment when Antonio and the children were shown, you know, hanged before her eyes. Webster, in this passage or in this play at large, may be suspected with mocking himself the excesses of the Baroque aestheticism. And we have to remember that Webster's irony is perhaps the real black humor of the play. In a play like The White Devil, it's even more manifest. Even though it's called The White Devil, it's actually very black. This black, dark irony is even stronger in Webster, is much stronger in Webster than in Othello, which is a play which is very sort of relevant for our purpose, but it's this irony is stronger in Webster. So the Duchess, when she dies, is alone and serene, facing death. She kneels, she humiliates herself without rebelling, very sort of stoic in a way. And the only rebellious element is her love for Antonio, that clear
sort of passage in her life, that's when she uses another geometrical reference, mentioning the diamonds what was the other? The pearls. The pearls, the diamonds, etc. And that's when Gisèle reflected on the importance of that, bringing up geometry as an image, a very telling image in this tragedy, with Bossola very much the oblique element in this world vision, obliqueness being the ultimate transgressive form or shape, the opposite of the safe, straight, orthogonal figure. So he uses geometry in a threatening way in the play, at the beginning of the play. And in his last attempt to terrify the Duchess before she actually dies, and that's when she uses that beautiful image of the what does it matter to have my throat cut with diamonds or to be shot dead with pearls, etc., displaying indifference. And the ultimate black humor is perhaps in the fact that language deconstructs all possibility of terror or blackness. And she admits that she welcomes death as the most natural thing in the world, and describes it as an object with, or something with 10,000 doors, with again another geometrical reference with to the joints, describing these doors opening anyway, opening both ways, with not a fixed sort of a pattern or direction. It's no longer the times out of joint described in or alluded to in Hamlet, but joints which work in any way with no meaning anymore, no fixed meaning anymore, and death becoming this sort of great welcoming moment, reminding us of Cleopatra's death in a way, when she flies back to her love in death. And very briefly to conclude, I'm sorry to limit your wonderful words to such awkward and incomplete summaries, but she ends up alone on the stage, alone with language, not communicating with anyone. She's the mistress of her own fate. She chooses her own death, and in an ultimate deconstruction of tragedy, which no longer which shows heroes, characters who are no longer under the sway of the stars, and we enter at this time a new moment of modernity, of the modern era, which will lead to the sublime, that is to say, something which escapes any description. There are literally no words to express that moment. So black humor in the play is eventually used to free, to set a new language, a new mode free, and avoid or escape the codes, the ancient codes prevalent before. Death is freed from the ancient forms of meditation, etc. And Webster's genius is to have used these black mirrors of his humor through the character of Bossola, to have deconstructed the language of tragedy, to create in the Duchess' death a scene which goes beyond words and enters the world of the sublime. Sorry, it wasn't very clear, but I hope that helps some of you. Thank you again, Gisèle. Thank you, Antoine, for this amazing. And I hope that we'll have questions. Transformation of my text into something clear to hear. I wish I had more time, but do we have any questions? Yes, Attila? Thank you very much for this very thought-provoking and complex presentation. I'm also very grateful to Antoine for the English summary.
I would like to pick up on the point you made about Bosola having or not having a voice of his own. I think that's an extremely intriguing and an important question, and I would like to relate that to the very first sentence Bosola says in the play, which is, "I do haunt you still." And I think that opening sentence already situates Bosola in a network of questions that are partly about whether he has his own agency or his own voice, because he presents himself in the capacity of a ghost. He is haunting the cardinal. He is a representative of things that had happened in the past. He is bringing connotations of remembrance, and he is an agent as a kind of a specter, as a ghost. But that also implies that this is not a voice of his own, this is not an agency of his own. He is just a kind of a stunt. He is acting on behalf of others. And as you also pointed out, he appears to continuously commenting on the actions, but not as an independent, autonomous agent, or as one who has his own voice. He gets his own voice, he receives a kind of an independent voice by the end of the play. Then, as you also pointed out, he is no longer the former Bosola. He is somebody different. But in this way, I think, and also if you relate that to the Duchess having or not having an agency of her own, all of this turns the play to me into a kind of a satiric or indeed Baroque commentary of one of the most important earlier moralizing, didactic, and iconographic traditions, which is the Ars Moriendi. And it seems that all the characters in the play are somehow engaged in responding to this command of performing the Ars Moriendi, preparing in a proper way for death. That is, they are acting as if they were engaged in a process of creating their own monument. They are turning themselves into their own effigies, and the irony in that is that by the time Bosola receives his own independent agency at the end of the play, he is giving an account of that as if you were already locked up in a vault or a grave or a tomb that is going to yield no echo. So by that time, you fundamentally lose your voice and lose your agency, regardless of the fact that you appear to find it just at the moment of your death. So I think all this situates these characters in a network of satirical, ironic, or very broad commentaries on traditions out of which they try to break free or loose. And one of those traditions to me appears to be the Ars Moriendi. Thank you very much. Thank you. Well, I believe we have two plays, in fact. I mean, we have two tragedies. We have the first tragedy, which is the tragedy of the Duchess of Malfi. And then all the manipulators turn into manipulated tragic figures in Act 5. And we are back into the ordinary manipulation of tragic heritage. What had been so original in the death of the Duchess is over, and we are back into the ordinary world of where no black humor seems to be retained by Webster himself, only commenting the absurdity of the world and the blindness of mankind, whether Antonio with the bubbles, which is also an image from the vanity world, or Bosola with the dead vaults, again, another image from the vanity world. So I believe we do have two plays, two formulation of tragedy, and it's very original to have isolated this sublime moment of the death of Duchess in the sort of center of the play, or well, towards the end, but not completely. And then Act 5 is only incidental, so to speak. And Bosola has lost his mastery of
over words and over people and his capacity to manipulate. He is manipulated himself. So I think we do have two visions in a certain way. Thank you so much for... One more question from Catherine? Yes, I know we've only got a few minutes left. I had my question in French. I'll translate it. It seems that the character who opposes no resistance is the character that you cannot grasp. She's out of reach at that point. And yet she's the character that grasps the audience most. Yes. Ironically. And what follows is Cariola, who in front of death is described as biting and clasping and scratching and grasping. And it seems that the grasp, that is the physicality of the grasp, is this very black humoristic comment on what we've just seen, where everything that will follow, be it the clutching and scratching or the tears of Ferdinand, which Bosola just finds insufferable and will not want to grasp, do not have any more effect. These kind of extreme passions, outward passions, do not grasp us anymore. And I find that the black humor that has been working at that point in the scene has affected the audience completely in our response to the passions of all those surrounding both Bosola and the Duchess. I just wondered whether you saw that. Yeah. It is, again, the deconstruction of what has happened. We could not survive in such a world of extreme purity of ideas because we have no ideas interfering in the death of the Duchess. I mean, we have none of those huge words or meditation or Hamlet dying and so on. There's absolutely silence, and that's all. And so I think it's very significant that Webster should come back to the ordinary tragedy of life, that is the Cariola killed trying to escape. And I mean, and the same with the Cardinal trying to survive and the Duke trying. I mean, they are just ordinary people. And we have a sort of privileged position because we have seen what it could be to die, a sort of silent death, although she speaks to the very end, but it's silent about what are the conventions of tragic dying ordinarily. And it seems that Webster is destroying what he has been. And do you think those characters in Act 5 are echoing or resonating with the picture that Bosola gave of the soldiers hobbling from one hospital to the next? Is there something of that being played out with great derision, because there isn't the greatness of a soldier who's done something for his Yes, of course. Country? It's just an image of the old world as it was, the world of fathers. That's a notion from psychoanalysis. I mean, the world of fathers, the world of perfection, the world of strength that has collapsed into this wobbling figure with on the slings. Certainly, yes. Comédie de l'absurde before the notion is even created. In class yesterday, we were talking about the use of still. I do haunt you still. Yet the stars shine still. I am Duchess of Malfi still. Do you have a reading of this use of still that punctuates like a litany? Well, of course, we have the social organization of the world, the Duchess, the title, and then the stars, I mean the sort of the epistemology of our world. And yes, I think it's very important to have the same word that echoes from the Duchess into
Bossola's expression. Yes, I do believe that's, I mean, it's not simply that only one word would do. It's certainly intentional. Thank you very much, Giselle, and thank you for this wonderful start to our conference. And I invite you all to share a cup of coffee and a little bite before we continue. Thank you again. Thank you very much. Thank you.